Zara Tindall n'a pas hésité devant les caméras alors qu'elle partageait un moment affectueux et romantique avec son mari, Mike Tindall. Zara, qui est la fille de la princesse Anne, est sortie mardi avec son mari Mike Tindall à l'hippodrome de Cheltenham. Le couple, marié depuis plus d'une décennie, avait l'air élégant et aimé alors qu'il posait pour les photographes. Mais le comportement des Tindall a montré plus que le simple bonheur d'être aux courses, selon l'expert en langage corporel Darren Stanton. Il a décrit comment Zara doit partager une confiance et une connexion profonde avec son mari, Mike. Il a déclaré au nom de Betfair Casino, « La première chose que j'ai remarquée à propos de Zara Phillips lors de son apparition au festival de Cheltenham hier, c'est sa tenue à la fois frappante et élégante. La couleur est très significative de quelqu'un qui a confiance en sa propre peau. Sa tenue sur mesure est structurée mais flamboyante. » En comparant Zara à Kate, il a ajouté, ce n'est pas différent de ce que Kate Middleton porterait lorsqu'elle veut montrer sa puissance et sa confiance lors d'un engagement royal. La duchesse de Cambridge a assisté au service annuel de l'abbaye de Westminster pour marquer la journée du Commonwealth lundi, radieuse dans un manteau structuré bleu vif et un chapeau assorti. Monsieur Stanton a commenté que la façon dont Zara et Mike se positionnent en public met en évidence la synchronicité dans le couple et une certaine mesure de confort sous les projecteurs ensemble. Monsieur Stanton a déclaré, vous remarquerez sur les photographies de Zara et de son mari Mike Tindall ensemble que les deux ont leur corps à angle droit, tourné l'un vers l'autre. Cela démontre que le couple correspond inconsciemment et reflète la posture corporelle de l'autre, ce qui signifie une confiance et une connexion profonde entre eux. L'autre chose intéressante à propos de cette photo est que Zara et Mike regardent directement l'appareil photo. Très souvent, les membres de la famille royale et les personnalités publiques évitent cela, mais ici, le couple est vraiment heureux d'attirer l'attention qui accompagne le fait de sortir à Cheltenham. Il a affirmé que Zara se sent chez elle avec Mike, même dans les lieux publics, et n'a pas peur d'être physiquement affectueuse devant des caméras ou un public. Il a déclaré, un autre doux moment montre Zara se penchant sur l'épaule de Mike tout en liant son bras au sien. Cela signifie encore une fois le bonheur émotionnel et témoigne de la façon dont ils sont à la maison les uns avec les autres et de leur relation. M. Stanton insiste sur le fait que la démonstration d'affection de la petite fille de la reine est authentique et est aidée par son confort dans les scénarios sportifs de compétition. Il a déclaré, prenez Zara, tout son visage est engagé, elle maintient le contact visuel et il y a des lignes visibles autour des yeux et des joues supérieures, le genre qui se produit lorsque quelqu'un fait preuve d'un véritable bonheur dans une certaine situation. Ce n'est peut-être pas une surprise car Zara est elle-même une passionnée d'équitation et plus qu'à l'aise dans un environnement de jour de course. Contrairement à Kate, duchesse de Cambridge, Zara n'exerce pas ses fonctions royales de la même manière, préférant poursuivre une carrière d'équestre olympique et se passer d'un titre de HRH. Elle a remporté une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012 au sein de l'équipe de concours complet de Greenwich Park. We'll be right back.